Bonissima, tarte aux noix et au miel. Ingrédients. 500 g de farine de froment. 250 g de sucre semoule. 250 g de beurre. L'écorce râpée d'un citron. 5 œufs. 250 g de miel. 300 g de noix décortiquées. Un petit verre de rhum. Et du chocolat pour recouvrir la bonissima. Préparation. Allumez tout d'abord le four à 180 degrés. Broyez ensuite les cerneaux de noix jusqu'à obtenir des grains de moyenne dimension. Puis, transférez le tout dans un bol. Versez à présent sur votre plan de travail la farine et le sucre semoule. Ajoutez ensuite l'écorce râpée d'un citron non traité. Puis, ajoutez les morceaux de beurre. Ajoutez enfin les œufs. Et commencez à travailler le composé. Incorporez bien la farine jusqu'à ce que le composé devienne homogène. Puis, laissez-le reposer une dizaine de minutes. Divisez le composé en deux et étalez l'une des moitiés à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Disposez-la ensuite dans un plat huilé. Prenez à présent le bol contenant les cerneaux de noix. Ajoutez le miel. Et le petit verre de rhum. Amalgamez les ingrédients en les travaillant à l'aide d'une cuillère. Répartissez ensuite les noix sur la pâte brisée et égalisez la surface. Étalez à présent l'autre moitié de pâte. Placez-la sur le moule. Et refermez les bords. Puis, enfournez le moule pendant 30 minutes. Au bout de ces 30 minutes, sortez-le du four et laissez refroidir votre préparation. Recouvrez-la de chocolat fondant. Étalez le chocolat de façon uniforme et laissez-le refroidir.
Coupez votre bonissima et servez.